prenez pas. Parce que vous vous dites, de toute façon, c'est de l'ancienne histoire, j'aime mieux avoir la nouvelle histoire, l'histoire la plus récente. Mais le Nouveau Testament, et Steve l'a bien dit tout à l'heure, est fortement teinté, marqué de l'Ancien Testament, et tiré même de l'Ancien Testament. Et même si ce qui a été écrit dans un livre de l'Ancien Testament n'a pas été écrit pour vous et moi, on peut quand même en tirer des principes, des leçons, exactement. Et ça, ça ne trompe pas. Quand tu vois quelqu'un dans l'Ancien Testament qui est croyant en Dieu et qui passe à travers une épreuve, puis qui met sa foi en Dieu, puis qui passe à travers avec victoire, avec succès, ça peut te parler, ça peut me parler. Et l'Ancien Testament regorge d'histoires comme ça. Et le message que je vais continuer ce matin, c'est celui sur 1 Samuel. Et ce qui est intéressant dans ce message-là, bien, c'est que vous allez voir un paquet de principes. Écoute, je le lisais là, puis mon plus grand dilemme, c'était de dire, mais comment je peux faire pour amener en un message un résumé de ce livre-là? Il y a tellement de leçons à tirer de ce livre-là, de 1 Samuel. Mais c'est comme ça dans tous les livres de l'Ancien Testament, lorsqu'on prend le temps de les lire comme il faut, de s'y attarder. Pas juste faire une lecture comme ça. On partageait ça hier au déjeuner des hommes, que souvent, on a des rituels. Hein? Pas vrai, Cossal, c'est toi qui l'avais ressorti le mot hier, rituel. Et c'est dangereux, un rituel. On peut lire la Bible pour lire la Bible. On peut prier pour prier, mais pas le faire avec sincérité de cœur, avec vraiment insistance, avec attention. Et donc, lorsqu'on lit, c'est plus important de méditer et de comprendre ce qu'on lit que simplement de lire. Parce que tu peux lire, puis tu ne te souviens pas du tout de ce que tu as lu. Je me souviens, moi, quand j'étais à l'école, puis en particulier à l'université, c'est drôle, parce que Philippe-Antoine le vit, ça m'arrivait à l'université, des fois, quand j'avais à étudier pour un examen, je lisais de quoi? Puis après ma lecture, ça vous de quoi je me souvenais? Rien. Là, j'étais là, voyons, non, je viens de lire, je me souviens de rien. Je suis probablement un des rares spécimens comme ça, là. Là, qu'est-ce que je faisais? Je relisais. Mais là, je m'apercevais que, dans le fond, c'est pas vrai que j'avais rien retenu. C'est juste que à ma deuxième lecture, là, la rétention continuait, là, puis là, elle devenait plus forte. Et donc, c'est un peu comme ça dans la Bible. Tu peux lire un passage de la Bible, puis ne pas t'en souvenir. Et puis, c'est à force de le lire, tu vas le lire une deuxième fois, une troisième fois. Et là, à ce moment-là, donc, on est rendu dans la section « Livres historiques ». Et aujourd'hui, on va prendre le temps de lire 1 Samuel. Mais juste avant de prier, je tiens à vous dire une chose importante. Deux passages de la Bible nous révèlent une vérité semblable. Malachie 3 nous dit « L'Éternel ne change pas ». Peut-être que vous ne l'aviez jamais lu, peut-être que oui, peut-être que vous ne l'aviez pas retenu. « L'Éternel ne change pas ». Est-ce que c'est rassurant? Oui, parce que celui qui a servi de source d'inspiration pour écrire 1 Samuel, il est le même aujourd'hui. En ce 7 janvier 2018. Un autre passage, Hébreux 13, 8, nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Que c'est rassurant de savoir que Jésus, tout comme Dieu, il est Dieu, il ne change pas également. Donc, la parole que Jésus a inspirée est toujours valable aujourd'hui. La parole que Dieu a inspirée est toujours valable aujourd'hui. Prions. Seigneur, révèle-toi ce matin, c'est toi qu'on veut écouter. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, ait la porte grande ouverte pour parler à nos cœurs. Merci pour ta parole. En Jésus. Amen. Donc, dans ce livre de 1 Samuel, bien, il y a trois personnages clés. Il y en a d'autres, mais il y en a trois principaux. Est-ce qu'il y en a qui les connaissent vite, vite comme ça? Mais il y a Samuel. C'est le titre du livre, Samuel. C'est quand même intéressant de voir qu'un des personnages clés, c'est le titre du livre. Ça, ça aide. Ça veut dire qu'il vous en reste deux à trouver. C'est qui les deux autres? Saül et David. Évidemment, il y a d'autres personnages, j'allais le voir. Mais si on retient qu'il y a trois personnages clés, ça nous aide beaucoup à avoir une idée sommaire de l'histoire, justement, du contenu de 1 Samuel. Alors, voici un résumé, un historique, un bref résumé, très bref résumé. Israël n'avait pas entendu parler Dieu depuis des décennies, au moment de, les histoires, si on veut, le récit de 1 Samuel. Les prêtres, qui étaient les leaders religieux, étaient corrompus, et les nations environnantes menaçaient la sécurité du pays, donc d'Israël. Même Élie, le grand prêtre et juge d'Israël, ne servait pas Dieu et le peuple fidèlement. Israël avait besoin
de plus qu'un juge, Israël avait besoin d'entendre Dieu à nouveau. Israël avait besoin d'un prophète. Alors Dieu leur donna Samuel. Samuel servit le peuple en tant que prophète et juge. Il avait donc un double rôle. Il a été le dernier juge, d'ailleurs, lorsque vous lisez le livre des juges, Samuel est le dernier juge en poste. Il partageait la parole de Dieu au peuple en tant que juge et prophète et leur enseignait comment vivre en tant que peuple de Dieu. Mais quand Samuel devint vieux et qu'Israël fut attaqué par leurs ennemis, le peuple demanda à Samuel de nommer un roi sur la nation. Samuel leur dit alors de mettre leur confiance en Dieu directement et non dans un dirigeant humain. Mais le peuple n'écouta pas son conseil. Il voulait avoir un roi qui les dirige et qui les délivre de leurs ennemis comme les nations qui les entouraient. Alors Dieu leur donna Saül. Saül était un roi stupide, égoïste et lâche. Il négligeait la parole de Dieu et recherchait l'approbation des hommes. Il désobéit Dieu à plusieurs reprises, outrepassa ses responsabilités et abandonna le peuple à leur sort avec Dieu ainsi qu'entre eux. Le roi Saül ne gardait pas la loi mosaïque et ne dirigeait pas les Israélites à vivre comme le peuple saint que Dieu désirait. Alors Dieu leur donna David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas parfait, mais la Bible dit, et c'est écrit, qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Il était un habile guerrier, un musicien et un meneur d'hommes. Un homme qui faisait confiance à l'Éternel et qui encourageait ses compatriotes à agir comme peuple de Dieu. La victoire éclatante de David contre Goliath fit de lui un leader fabuleux en Israël. Saül craignait que David lui ravisse éventuellement le royaume, et c'est triste, mais Saül a passé le reste de sa vie à poursuivre David pour l'éliminer. En voici en résumé ce livre fabuleux de 1 Samuel, extraordinaire, d'un couvert à l'autre. Et un des versets clés qu'on pourrait voir dans 1 Samuel, c'est 1 Samuel 12, à peu près en plein milieu de ce livre-là, où il est écrit « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » Et ça, c'est un avertissement du prophète. « Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Et certains sont morts, dont le roi Saül, de façon brutale dans cette histoire-là. Et cette prophétie-là s'est réalisée dans le livre même, auprès du peuple, une partie du peuple et auprès du roi. Maintenant, vous savez, il n'y a rien de plus difficile. Ceux qui ont passé par l'école, puis je pense que c'est la plupart d'entre vous, vous savez comme moi, lorsqu'un prof vous fait lire de quoi, puis qu'il vous dit « fais-moi un résumé », sors-moi les parties, les éléments essentiels du texte. Je ne sais pas, Jacob, tu vis tout ça à l'école des fois? Tu vis ça, hein? Moi, j'ai vécu ça, Jacob, puis je m'en souviens très bien. Je m'arrachais les cheveux quasiment de me dire, oui, mais c'est quoi l'essentiel? Il y a plein d'histoires, comment retenir l'essentiel? Alors, voici quelques extraits que j'ai choisis, mais évidemment, tout le monde ici, si vous prenez le temps d'étudier un Samuel, vous allez être capable de dire « Oui, mais ça, puis ça, ben oui, c'est sûr qu'il y a d'autres endroits où c'est important. » Mais c'est ce que j'ai trouvé, moi, en tout cas, de particulièrement touchant. Et en particulier, lorsqu'on regarde cette histoire, au tout début, ça dit ceci dans 1 Samuel 1. « Chaque année, Elkanah, c'est un juif, montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. » Il y avait deux femmes, mais je vais vous épargner les détails. Une de ses femmes s'appelait Anne. L'histoire dit, « L'Éternel avait rendu Anne stérile. Anne montait à la maison de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » En passant, à l'époque de l'Ancien Testament, une femme stérile, c'était tragique. Tragique. Parce qu'elle était vraiment marginalisée auprès de sa société. Elle n'était pas normale, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pour une femme, c'était extrêmement important. Aujourd'hui, une femme peut volontairement dire « Moi, j'en veux pas d'enfant. » On a connu une personne, Liette et moi, comme ça, là, était rendue dans la quarantaine, puis elle a dit « Moi, j'ai pas eu d'enfant, puis j'en veux pas d'enfant, puis j'en voudrais jamais d'enfant. » Ça existe. Mais à l'époque, quand une femme n'avait pas d'enfant, elle perdait beaucoup de valeur sociale. C'est étrange à dire, mais c'était comme ça, à cette culture-là.
Donc, Anne fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction, donc la douleur de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Ça, des histoires de même, on n'en lit pas beaucoup dans la Bible. Une femme qui était stérile, qui a demandé à Dieu un enfant, mais elle a dit, « Si tu me donnes un enfant, je te le redonne. » Pensez-y deux secondes. Il te manque quelque chose dans la vie, tu le demandes, mais tu dis, si tu me le donnes, je te le redonne. Ça ne fait pas de sens. C'est pourtant ce qu'elle a fait comme prière. Quelle offrande! Anne était prête à offrir son fils unique au service de Dieu pour toute la vie de son fils, si Dieu lui en donnait un. Et l'histoire nous dit qu'elle le fera réellement, parce que Dieu a exaucé sa prière et elle a offert Samuel, son fils, pour toute la durée de sa vie, dès son enfance. Pour toute la durée de sa vie, au service de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1 Samuel 2 nous dit ceci. Élie, le sacrificateur, que je disais tout à l'heure, le prêtre, portait comme les deux titres, bénit Elkanah et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Donc, ce que l'histoire dit, c'est qu'elle est devenue enceinte, elle qui était stérile, elle a eu un enfant, elle l'a donné à Dieu. Mais c'est allé plus loin. Le prêtre est allé la voir et lui a dit, « Regarde, Dieu a honoré le fait que tu lui donnes en retour ton enfant, et à cause de ça, voici ce qui va arriver. » Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Pas payé pour une femme stérile. Pensez-y deux secondes. Elle est stérile. Elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Elle en a un de façon miraculeuse. Et Dieu dit, « Garde, tu me le donnes en retour. Parfait. Voici, moi, je t'en donne 5 en retour. » Quelque chose, hein? On ne se trompe jamais. Jamais, on n'est jamais perdant de donner à Dieu ce qu'on possède, même si c'est tout ce qu'on possède. Anne l'a expérimenté et Dieu a répondu très favorablement à son offrande. Je vais taire le nom, parce que je ne veux pas glorifier des personnes ici à la face de tous. Mais j'ai connu une jeune chrétienne qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et dans ses jeunes années de vie chrétienne, elle allait dans une église et elle donnait quand même une partie de ce qu'elle avait au Seigneur, à l'offrande. Et le Seigneur a honoré ça, à tel point qu'un jour, elle s'en va à l'église, elle donne une partie de ce qu'elle avait, du peu qu'elle avait, cette chrétienne-là, au Seigneur, dans l'offrande. Et elle arrive chez elle, puis il lui manquait de l'essentiel pour vivre. Et là, je ne vous parle pas d'une histoire qui s'est passée dans les années de la Bible. Je vous parle d'une histoire qui s'est passée il y a environ une trentaine d'années. Elle est arrivée chez elle, il y avait un sac d'épicerie sur son comptoir. Le Seigneur avait mis à cœur à quelqu'un de lui acheter de la bouffe et de lui donner, le jour même qu'elle avait donné de son essentiel au Seigneur. Cette histoire-là qu'on lit, on peut en tirer instruction pour notre vie. On peut tirer des principes de cela. On n'est jamais perdant de donner à Dieu. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent, de ton énergie, tu ne te trompes pas. En son temps, le Seigneur va te donner en retour, à sa façon, en son temps, mais il ne t'oublie pas, il ne t'oubliera pas. Il est le même, on l'a lu tout à l'heure, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Dieu de ces histoires-là. On saute quelques chapitres, 1 Samuel 12 nous dit ce passage, « Servez l'Éternel de tout votre cœur, ne vous en détournez pas, sinon, et c'est Samuel qui parle, sinon, vous iriez après des choses de néant, qui n'apporte ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. » Et voici, en dehors de Dieu, c'est le néant. Est-ce que vous le croyez? Moi, je croyais avoir de la plénitude dans ma vie avant de connaître le Seigneur jusqu'à l'âge de 23 ans. J'essayais de remplir ma vie avec toutes sortes de choses. Les gens, l'argent, les voyages, la connaissance, j'ai tout essayé pour m'apercevoir que j'étais vide en dépit de mes recherches. La Bible affirme que Christ, et là je vous parle d'un passage du Nouveau Testament, donc qui corrobore ce passage de l'Ancien Testament, la Bible affirme dans Colossiens 2:3 que Jésus est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés, quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et dans le même passage, Colossiens 2, un peu plus loin, Colossiens 2:10, il est écrit qu'on a tout pleinement en qui? En Jésus. Moi je connais même des chrétiens, puis je vous juge pas. Je ne vous connais pas dans le détail de votre vie qu'ils s'achètent des billets de loto pour remplir leur vie. Faites-le. Si vous êtes convaincu, faites-le.
Mais moi, vous savez quoi? Puis je pense à personne en particulier. Je vous donne ma réflexion par rapport à ça. Je n'ai pas besoin de cela dans ma vie. Même si quelqu'un me dit autour de moi, « Ouais, mais Sylvain, franchement, ça ne ferait pas de tort hein, d'en avoir un peu plus. » Savez-vous quoi? La Bible a dit que notre conduite ne soit pas dirigée par l'amour de l'argent. Ah, c'est clair pour moi. J'ai ce qu'il faut. J'en aurais plus, je serais capable de vivre avec. J'en aurais moins, je serais capable de vivre avec, parce que j'ai déjà vécu avec moins et j'ai déjà vécu avec plus. Lorsqu'on s'est mariés, Liette et moi, là, on n'était pas riches. Hein? Je partageais ça à des personnes durant les fêtes, parce qu'il y en a qui pensent que pour se marier, il faut être riche. Non, pas nécessairement. Un mariage n'a pas à coûter une fortune. Et on n'avait pas beaucoup d'argent, Liette et moi, parce que moi, j'étais aux études, je n'avais pas terminé mes études, puis Liette travaillait genre au salaire minimum. Puis on s'est mariés pareil. Pourquoi? Ben parce qu'il était temps qu'on se marie. C'est tout. Puis on s'est mariés avec les moyens qu'on avait. Et Dieu a pourvu. Adonai Jiré. Dieu pourvoira. Dieu a pourvu à nos moyens. On a tout pleinement en lui. Ce qu'on a besoin. Pas nécessairement ce qu'on voudrait avoir. Toujours dans le chapitre 12, 1 Samuel, il est écrit « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Et ça, c'est intéressant ici. Un principe. Il est écrit que Dieu n'abandonne point son peuple. Peut-être que vous et moi, parfois, on a l'impression que Dieu pourrait vouloir nous abandonner. Mais regardez la raison pour laquelle il ne veut pas abandonner son peuple. Malgré ses manquements, malgré nos manquements, qu'est-ce qu'il est écrit? L'Éternel n'abandonnera point son peuple. Et la raison, c'est quoi? C'est quoi? À cause de son grand nom. À cause de son nom, Dieu reste fidèle, même si nous, on est parfois infidèles. Et ça, c'est bon à s'en rappeler. Ça, c'est un principe super important. Des fois, tu ne te sens pas aimable parce que tu sais que le péché crée une séparation entre toi et Dieu. Et je me sens pareil. Ça m'arrive aussi de le vivre. Je me sens cheap d'avoir péché contre Dieu. Et j'ai l'impression qu'il pourrait vouloir m'abandonner. Mais rappelons-nous qu'à cause de lui, il ne m'abandonne pas. De la même façon qu'un bon parent, un bon père, une bonne mère ne va pas abandonner son enfant, même si son enfant fait une bêtise. J'ai fait des bêtises dans ma jeunesse. À mes yeux, ce n'était pas des grandes bêtises. Mais parfois, après avoir discuté avec ma mère, entre autres, qui était bonne de la communication, ma mère me faisait réaliser que j'avais fait une grande bêtise. Et là, je réalisais que ce n'était pas rien ce que j'avais fait. Mais c'était tellement rassurant de savoir que ma mère continuait à m'aimer. Mais Dieu est bien mieux que n'importe quelle mère ici présente et n'importe quel père ici présent à cause de son grand nom. Ça, c'est super intéressant aussi. Quand je vous dis des joyaux dans un livre comme ça ici, le verset 23 du chapitre 12 de 1 Samuel. C'est Samuel qui parle et qui dit au peuple, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Et voici le principe qu'on peut tirer de ce passage-là. Un leader spirituel, un leader d'Église, prie sans cesse pour le peuple de Dieu et l'enseigne. Négliger de le faire serait péché contre Dieu de sa part. De la même façon qu'un parent qui négligerait ses enfants, je ne sais pas si vous le savez, c'est grave. C'est un péché, mais devant la loi, ça peut même être une intervention de la loi. Là. Moi, qui travaille auprès d'enfants, je travaille auprès d'enfants qui sont négligés. Et quand les parents négligent les enfants, c'est pris en main par la société. Ce qu'on appelle la DPJ, entre autres, qui intervient. C'est pas rien, là. Mais ici, le principe, c'est par rapport à un leader spirituel. Et Samuel est en train de dire qu'il n'est pas question pour lui qu'il va pécher contre Dieu en cessant de prier pour le peuple. Et donc, si vous avez à cœur l'Église de Dieu, priez pour l'Église de Dieu. Priez pour les gens de l'Église de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Ici, je reviens en arrière, 1 Samuel 2, parce qu'il y a un principe super important. Encore une fois, comme je vous dis, c'est des principes qu'on peut tirer de ce texte-là, de ces textes-là, dans 1 Samuel. Et vraiment ici, là, il y a quelque chose d'important, troublant aussi, à notre époque où les parents veulent tout donner à leurs enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça, David? Aimer son enfant, c'est-tu toujours y dire oui, David?
Mais tu sais, David, que quand tu dis non à Jacob, entre autres, des fois, tu y fais de la peine, hein? Mais David, je te le dis, tu fais bien. Et on va voir un exemple pourquoi tu fais bien. Puis Jacob, c'est le fun que tu sois là ce matin, parce que tu vas comprendre des fois pourquoi ta mère et ton père te disent non. C'est des principes bibliques qu'on va voir ici. Les fils d'Élie, donc Élie, on se souvient qu'ils étaient prêtres, sacrificateurs, ils étaient aussi sacrificateurs comme leur père. Mais l'histoire nous révèle que c'était des hommes pervers. Et pervers, c'est pas beau ici, là. Corrompus. Ils ne connaissaient point l'Éternel, étrangement. Ils étaient au service de Dieu, et la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et oui, c'est possible. Élie était fort avancé en âge, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'était dégueulasse ce qu'il faisait. Et là, je vous épargne d'autres détails de l'histoire. C'était vraiment des hommes corrompus, les fils du sacrificateur, du prêtre. Rappelez-vous, au début de l'histoire, on voyait Anne, au début du livre, et le prêtre qu'elle était allée voir, c'était Élie, le père de ces gars-là. Et leur père dit à leurs garçons, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Imaginez-vous, ils apprenaient les mauvaises actions de ces gars par le peuple. Il y a peut-être de quoi d'étrange dans la relation ici père-fils. C'est pas normal d'apprendre comment tes enfants agissent mal par le biais des autres, et non pas directement. « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Et ici, il y a un principe très fort. Quand quelqu'un au service de Dieu pêche, il peut faire pécher tout le peuple de Dieu par son péché. C'est ça qui arrivait là. Mais l'histoire nous dit que les fils d'Élie n'écoutaient pas la voix de leur père. Mais regardez, la suite de l'histoire est encore plus troublante. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? » Et il est là le bas qui blesse. Élie honorait ses fils plus que Dieu. Élie, le grand prêtre, Élie, le sacrificateur, l'homme au service de Dieu, honorait ses enfants plus que Dieu. C'est fort, hein? Et ça peut arriver. Et ça peut arriver, c'est arrivé dans l'Ancien Testament. Croyez-moi, ça peut arriver encore aujourd'hui, que quelqu'un honore plus ses enfants, ou sa femme, ou ses parents, ou ses frères et sœurs, que Dieu lui-même, même pour un croyant. Et Dieu dit, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et Dieu dit, au chapitre 3, verset 13, à 1 Samuel, regardez le principe ici, « Je veux punir la maison d'Élie à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus coupables, méprisables, pardon, sans qu'il les ait réprimés. » Et c'est ça ici le principe super important. Élie savait que ses gars péchaient et il ne les corrigeait pas. Un parent qui ne corrige pas ses enfants ne les aide pas. T'as beau les aimer, tes enfants, ce n'est pas une bonne idée de les laisser faire tout ce qu'ils veulent. La Bible a dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Je ne suis pas tout seul à l'avoir lu, semble-t-il. Et que c'est la verge de la correction qui va ramener. Évidemment, il faut qu'elle soit bien manipulée, bien utilisée, la verge de correction. Mais un parent, et je vous le dis parce qu'on vit à une époque, et moi je le vois là, je suis là-dedans, là, à tour de bras, là, dans mon travail. Une des raisons pour laquelle je préfère que mes messages ne soient pas sur YouTube. Pas parce que je dis quoi que ce soit de mal dans mes messages, mais parce que je ne veux pas offenser des oreilles qui pourraient être sensibles à ce que je dis. Mais moi, je le vois beaucoup dans mon travail, des enfants laissés à eux-mêmes. C'est tragique. C'est affreux. Et je le dis plusieurs fois, des fois, dans une semaine, à un enfant. J'ai dit, regarde, je ne sais pas comment ça va dans ta vie. Toi, je ne sais pas là, comment ça va avec tes parents. Mais je veux te dire une chose. Ici, là, c'est moi le boss. T'es dans ma classe? C'est moi le boss ici. Peut-être que tes parents, tu fais ce que tu veux avec eux, je ne sais pas, je ne veux même pas savoir. Mais ici, c'est moi. C'est moi l'enseignant. Et tu vas fonctionner avec les principes que j'ai. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai 26. Et si je n'ai pas des règles pour mes 26, je perds le contrôle. Et si tu perds le contrôle, tu ne restes pas enseignant longtemps. Tu le sais, Sylvie, hein? Tu es d'accord avec moi? Un prof qui perd le contrôle de sa classe, là, terminé. Ce n'est pas sa place à être enseignant. Il ne fera pas une carrière dans l'enseignement. Et donc, ici, il y a un principe
biblique qui est très, très, très valable en 2018. Un bon parent, il dit oui, souvent, mais de temps en temps, hein, David, tu es d'accord avec moi? Il dit non. Et c'est plus dur de dire non, mais de temps en temps, il faut le dire. Et si tu ne le dis pas, tu vas payer pour plus tard. Est-ce normal que les fils d'Élie désobéissaient à leur père? Absolument. Ils n'étaient pas réprimés. Élie honorait ses fils plus que Dieu. Est-ce compréhensible? Tout à fait. Plein d'humains sont plus attachés à ceux qui voient qu'à Dieu qu'ils ne voient pas. Et c'est plus facile des fois. Quelle leçon d'éducation y a-t-il? Grande leçon. Et Jésus nous met au défi aussi. Il dit, quiconque aime qui que ce soit plus que moi n'est pas digne de moi. C'est ce que Jésus dit. Quiconque aime, même si tu disais, oui, mais Seigneur, je peux... Ma femme, mon mari, je peux quand même pas l'aimer moins que toi. Oui. Jésus veut qu'on l'aime plus que tout. Peut-être que je vous bouleverse ce matin en vous le disant, mais c'est écrit dans la Bible. C'est pour ça que je vous le dis. Sinon, je ne vous le dirais pas. Donc, ton amour pour le Seigneur doit être plus grand que ton amour pour quiconque autour de toi. Et si tu ne le fais pas, tôt ou tard, tu vas te retrouver avec des problèmes. Parce que ton amour pour les gens autour de toi va faire en sorte que ton amour pour le Seigneur va devenir de plus en plus tiède. Un autre principe ici qu'on retrouve dans cette histoire-là, Samuel vit avec déplaisir que le peuple disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel, et l'Éternel répondait à Samuel. Ça, c'est merveilleux. Il avait une belle relation avec le Seigneur, Samuel. Tout au long de son service, de sa vie, de son ministère, on voit que lorsqu'il prie, Dieu répond. Pourquoi? Parce que Samuel marchait dans l'obéissance. L'obéissance. Si tu marches dans l'obéissance, le Seigneur répond. Quand et comment? Je ne sais pas, tu ne sais pas. Mais Dieu va répondre à la prière d'un enfant obéissant. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Hein? En latin, ça dit « Vox populi », la voix du peuple. Non, ça c'est justement, il y en a qui pensent que « Vox populi », c'est la voix de Dieu, « Vox Dei », mais ça, c'est pas vrai. C'est un mensonge, mais on l'entend souvent autour de nous. Et voici ce qu'il est écrit. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Et c'est Dieu là, qui parle. C'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. Et la question que je vous pose, que je me pose, qui règne sur vous? Qui règne sur moi? Est-ce que c'est le pasteur ou tout autre leader ou prédicateur chrétien? Ou est-ce que c'est réellement le Seigneur? Ça peut être facile d'être soumis à l'autorité d'un homme. Et le peuple juif préférait avoir un leader qui voit et qui touche qu'avoir Dieu directement. Et peut-être pour certains, certaines ici, c'est difficile de considérer l'autorité de Dieu plutôt que l'autorité d'un homme que tu vois et que tu entends. Mais moi, je suis content de ne pas régner sur personne ici-bas. Je préfère, et de très, très loin, que ce soit le Seigneur. Parce que je n'ai pas tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu peut. Un autre passage clé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a du stock dans 1 Samuel? Je suis à peu près à la moitié, là. Imaginez-vous, c'est incroyable. 1 Samuel 10. Dès que Samuel, ça c'est intéressant, ça, c'est après la nomination du roi Saül. Donc, vous savez, le peuple a demandé un roi. Samuel ne voulait pas. Et Dieu a dit, écoute le peuple, donne-leur un roi. Ils veulent un roi, donne-leur un roi. Et Saül a été nommé roi. Et le récit nous dit, dans 1 Samuel 10, vous allez voir pourquoi la référence est importante, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, après qu'il ait été oint, Dieu lui donna un autre cœur, et l'Esprit de Dieu le saisit. Quelle belle histoire! Merveilleux, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu a saisi Saül. Ça, c'est vraiment quelque chose, là. On ne voit pas ça souvent dans l'Ancien Testament, que quelqu'un était saisi de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une blague, là. On sait dans la Nouvelle Alliance, c'est une autre histoire, mais dans l'Ancien Testament, peu de personnes ont eu ce privilège. Au chapitre 11, verset 5, il est répété que Saül a été saisi par l'Esprit de Dieu. À deux reprises, c'est dit. Regardez au chapitre 13, deux petits chapitres plus loin. Il est dit, Saül désobéit à Dieu.
En fait, c'est pas le verset, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Le verset, ça dit, c'est le verset, c'est ça. Saül désobéit à Dieu, je me suis dit, ça c'est Saül qui parle, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, parce qu'il y avait une guerre contre les Philistins, et je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est ce que Samuel devait faire. Il n'était pas question qu'un autre le fasse que Samuel. Mais lui, Saül, vu que Samuel tardait, il a dit, « Ben tiens, je vais le prendre en main, moi, puis je vais l'offrir l'Holocauste. » Et Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » C'est quelque chose, hein? Malgré qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Et pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que tous ceux et celles qui sont nés de nouveau ici, là, vous avez l'Esprit de Dieu. Si vous ne le savez pas, je suis content de vous annoncer une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on peut pécher avec l'Esprit de Dieu? Oui. On le voit ici. On le voit clairement dans ce passage-là de l'Ancien Testament. Puis je le vois très bien dans ma vie depuis 33 ans. Ça ne veut pas dire que tu cours après le péché, puis moi non plus. C'est pas ça que ça veut dire. Mais même si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux pécher. Puis on le voit très bien, Saül... très clairement, a été saisi par l'Esprit de Dieu, ce qui est un privilège exceptionnel dans l'Ancien Testament. Et malgré tout, il a péché contre Dieu. Et l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens au chapitre 15, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Qu'est-ce qui choque Dieu dans cette situation? Premièrement, Saül s'est détourné de Dieu. Et deuxièmement, Saül n'a pas observé quoi? Ses paroles, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui peut le plus te prémunir contre le péché. La même chose pour moi, là. Je suis au même point que toi, on est tous au même point. C'est en méditant, en connaissant la parole de Dieu, en la connaissant, en cherchant à la mettre en pratique, que ça nous épargne de pécher contre Dieu. Si on néglige la parole de Dieu, tôt ou tard, ça va être facile de pécher parce qu'on ne se souviendra pas des préceptes de Dieu, des principes de la parole de Dieu. Et des principes dans la parole de Dieu, il y en a une tonne. Sans vouloir l'alourdir, c'est ça. Mais c'est à force de la lire. Vous voyez, juste dans l'Ancien Testament, plusieurs principes qu'on peut mettre en application de foi, d'obéissance, de soumission, etc. Un passage complémentaire dans le psaume 119. C'est intéressant de voir David qui dit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est dommage que David ait écrit ça après que Saül a été roi. Parce que si Saül avait pu le lire, peut-être ça l'aurait protégé s'il l'avait mis en pratique. Serrer la parole de Dieu là, dans ton cœur, là, ça te prémunit contre le péché, ça me prémunit contre le péché. C'est quelque chose. Tu sais, lorsqu'on parle de lire la parole de Dieu, c'est pas une blague. C'est pas une blague, là. C'est vraiment quelque chose d'important. Si tu viens pour écouter le message, c'est excellent. Si tu vas le mercredi soir pour partager sur le message, c'est excellent. Mais ma lecture quotidienne et ta lecture quotidienne, c'est encore plus excellent. Parce que là, c'est de la nourriture que tu prends et que je prends chaque jour. Et qui fait qu'à chaque jour, tu as la force... et j'ai la force de marcher dans les voies du Seigneur. Comment fait-on pour ne pas pécher contre le Seigneur? Pécher, c'est rater la cible en passant. C'est pour ça que j'ai mis une cible avec des flèches qui tombent tout partout. C'est ça le péché. Si je ne sers pas la parole de Dieu dans mon cœur, si je ne la médite pas, si je ne prends pas le temps de la saisir, de la comprendre, de la mettre en pratique, ça va être facile de pécher contre Dieu. Au chapitre 15, il est écrit, et là c'est Dieu qui reprend Saül. « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? » Non! L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ça, c'est un principe tellement, tellement, tellement important. Tu pourrais remplacer sacrifice par plein de choses. L'obéissance. Par exemple, tu pourrais lire la parole de Dieu, je peux lire la parole de Dieu et désobéir. J'ai beau lire la parole de Dieu, ma désobéissance va offenser Dieu. Peut-être que tu donnes ton offrande, peut-être que je donne mon offrande. Mais si je désobéis, elle vaut quoi mon offrande? Elle
ne vaut pas cher. Là. C'est de l'argent que j'ai mis dans le panier. C'est juste de l'argent. Ce n'est pas une offrande, c'est de l'argent. Parce que j'offense Dieu à qui je désobéis. Maintenant, comprenez-moi bien, désobéir fait partie de la vie. On est humain, on est pécheur, on le sait. Et là, on a la solution du pardon. Et la solution du pardon, c'est en Jésus. Et si je vais vers Dieu pour demander pardon, je retombe à zéro péché. Et je peux me présenter devant Dieu en obéissance et je peux offrir à Dieu ma vie, mon cœur, mon corps, tout mon être. Pourquoi? Parce que je marche dans l'obéissance. L'obéissance, malgré les désobéissances. Pourquoi? Parce que le pardon est auprès du Seigneur. Je le demande au nom de Jésus. Le Seigneur me pardonne. Peut-être que je ne le ressens pas dans ma tête, mais je dois le croire par la foi. Seigneur, je t'ai demandé pardon, tu me pardonnes? Tu me pardonnes, Seigneur, là? Je me souviens d'avoir entendu un chrétien dire, « Sylvain, ça fait 12 fois, je pense, que je demande pardon au Seigneur. Ça ne marche pas. » Je dis, « Qu'est-ce qui ne marche pas? » Ben, je ne sais pas, je ne ressens pas son pardon. Ah, OK. Ça, c'est une émotion, ça. Tu ne ressens pas son pardon, mais qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Si nous confessons nos péchés, dans 1 Jean, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous délivrer de toute iniquité. Ça, c'est une promesse de Dieu. Confession, pardon. Tu es sincère dans ta confession? Oui, je suis sincère. Je veux demander pardon. Je veux demander au Seigneur de me pardonner. Mais Sylvain, ce n'est pas la première fois que je pêche pour ça. Puis, demande-y pardon. Il a demandé aux humains de pardonner 70 fois 7 fois à un autre humain qui va te voir. Est-ce qu'il n'est pas prêt à te pardonner, lui? Certainement que Dieu est capable de te pardonner bien plus que ce qu'il te demande et ce qu'il me demande de pardonner aux autres, parce qu'il est Dieu. Et l'écoute attentive vaut mieux qu'à la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. La résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux idoles. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Voici ce que Saül a fait avec la Bible. Bang! Il l'a balancé à l'autre bout de ses bras. Et Dieu a dit, tu balances la Bible au bout de tes bras. Ça revient à ça, là, ce qu'il a fait. Parce que les principes bibliques, il ne les a pas mis en application. Il dit, tu balances la parole de Dieu au bout de tes bras. Moi, je te balance aussi. C'est terminé. Ton royaume ne durera pas. Je vais en trouver un autre à ta place, plus fidèle que toi. Et Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et regardez pourquoi il a péché, ça le dit ici. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. C'est un danger d'écouter les autres plus que Dieu. C'est un danger d'écouter même le prédicateur plus que Dieu. Parce que Dieu est parfait, pas moi. Et il n'y a personne qui vient ici en tribune qui est parfait. Mais Dieu est parfait. Sa parole est parfaite. Ses principes sont parfaits. Il a écouté le peuple. Il a craint le peuple. Qui craignez-vous? À qui voulez-vous plaire? Aux gens autour de vous, au pasteur, un autre leader, au Seigneur avant tout. C'est important de se poser la question. Et ça, c'est un principe tiré du livre de 1 Samuel. Des belles leçons à tirer de ce livre-là. Chapitre 16, un autre principe, donc en lien avec le rejet de Saül par l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi et oins David, car c'est lui. » Et donc Dieu avait dit, « Je vais rejeter. » Il l'a rejeté. Mais il n'a pas laissé le peuple orphelin. Il a tassé un roi, il en a prévu un autre. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Vous souvenez-vous qu'est-ce qui est arrivé avec Saül tantôt, avec l'Esprit? Ça disait, l'Esprit de l'Éternel saisit Saül. À deux reprises, ça le disait. Et c'est le même principe ici. Mais regardez ce qui est écrit au verset suivant. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Alors Dieu avait décidé d'avoir un leader spirituel sur Israël. Saül a été indigne. Et Dieu a dit, OK, je vais en prendre un qui est digne. Mais pourquoi je vous montre ce passage-là? Oui, je sais que c'est dans l'Ancien Testament et on n'est pas dans l'Ancien Testament, on n'est pas sous les mêmes règles. Il y a un principe à voir ici, c'est que malgré tout, les péchés, parce que c'est arrivé à deux reprises, là, je vous ai épargné les détails parce que ça serait trop long, mais à deux reprises,
Saül a péché de façon, en fait, à plus qu'à deux reprises, mais entre autres, a péché de façon majeure devant Dieu et devant le peuple. Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'Esprit de l'Éternel se retirer de Saül. Il avait l'Esprit de l'Éternel en lui. Mais rappelez-vous, dans le Nouveau Testament, il est question de l'Esprit, puis il est question d'une autre entité opposée à l'Esprit qui est appelée la chair. La chair et l'Esprit sont opposés, nous dit Galates, le livre de Galates. Hein? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sont opposés l'un à l'autre. Alors, un chrétien là, qui vacille tout le temps, je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu pour moi, je ne sais pas c'est quoi marcher dans les voies du Seigneur, je ne sais pas c'est quoi suivre Dieu, obéir à Dieu. Non, ce n'est pas vrai, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, ce n'est pas normal que tu vacilles comme ça. Apprends à connaître la parole de Dieu, mets-la en pratique, le Seigneur, par sa grâce, va t'aider à le faire. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en dépit du fait que Saül avait l'Esprit de l'Éternel, il a fait des choix personnels plus grands que ce que l'Esprit de l'Éternel... Il a vraiment éteint, attristé le Saint-Esprit, comme on le voit dans le Nouveau Testament. Regardez, des versets complémentaires, je suis allé les chercher dans le Nouveau Testament, parce que c'est le même esprit en passant. Si Dieu est le même, comme disait Malachi 3, et Jésus-Christ est le même, l'Esprit est aussi un membre de la Trinité divine, et donc l'Esprit non plus ne change pas. Éphésiens 5, 18 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Tu peux être rempli de l'Esprit, je peux être rempli de l'Esprit, mais on peut être à moitié rempli de l'Esprit, on peut être très vide de l'Esprit aussi. L'Esprit est là, mais il n'y a pas grand place, parce que je l'attriste, parce que tu l'attristes. Ça se peut, ça, dans la vie d'un chrétien. Galates 5 nous dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Saül a marché selon la chair. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas accompli les désirs de l'Esprit. C'est ça qui est arrivé. Il n'a pas marché selon l'Esprit. Malgré qu'il avait l'Esprit en lui, il a fait des choix charnels, il s'est entêté à les faire, il s'est endurci à les faire, et il est allé jusqu'au bout. Et dans l'Ancien Testament, et c'est pour ça que je disais, il faut vraiment comprendre le contexte, Dieu retirait, Dieu donnait son esprit et Dieu le retirait, ce que dans le Nouveau Testament, on ne voit pas, que Dieu retire son esprit comme ça, donne son esprit, le retire comme ça, à qui que ce soit, là. Sinon, on serait sauvé une journée, l'autre journée, on ne serait pas sauvé, on ne serait plus, on le sait, tu sais, on serait incertain. Éphésiens 4, 30 nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Savez-vous pourquoi c'est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit » Savez-vous pourquoi? Parce qu'on peut le faire. Voyons, non, si ce n'était pas écrit, si on ne pouvait pas le faire, ça ne serait pas écrit qu'on pourrait le faire. Mais si c'est écrit, c'est parce qu'on peut le faire. Un enfant de Dieu peut attrister le Saint-Esprit. Et quand je regarde la vie de Saül, certainement qu'il a attristé le Saint-Esprit, même si le Nouveau Testament n'avait pas été écrit. Et un dernier passage, 1 Thessaloniciens 5, 19, qui est vraiment triste, là. Ça, c'est quand tu vas au bout là, de ton endurcissement, ou quand je vais au bout de mon endurcissement, ou quand Saül est allé au bout de son endurcissement, n'éteignez pas l'Esprit. Pourquoi c'est écrit? Pourquoi l'apôtre Paul a écrit ça inspiré du Saint-Esprit? C'est-tu parce que c'est pas possible de le faire? Non, c'est possible de le faire. Regardez autour de vous. Les personnes ici qui ont plusieurs années de vie chrétienne, vous l'avez peut-être déjà fait dans votre vie. Vous avez peut-être déjà senti un moment de votre vie, comme moi-même, où tu as tellement attristé le Saint-Esprit qu'à un moment donné, tu as l'impression qu'il n'y a plus de flamme. Puis là, tu dis, j'ai l'impression d'avoir vraiment éteint l'Esprit en moi. Oui, c'est possible de le faire. Et je pense que c'est exactement ce que Saül a fait sans le savoir. Il a tellement attristé le Saint-Esprit par sa désobéissance, par son manque de soumission à la parole de Dieu, qu'à un moment donné, il a éteint l'Esprit. Et dans son cas, ce n'était pas, comme je vous dis, le même principe que dans le Nouveau Testament par rapport au fait que Dieu donnait et Dieu retirait l'Esprit. Dans son cas, Saül, Dieu a dit, « OK, je te retire l'Esprit, Saül, c'est terminé. » Et je le donne à qui? Il l'a donné à David, parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, quelle richesse que ce livre de 1 Samuel, quel principe on peut tirer, Seigneur, à travers ces récits, des principes qui nous donnent froid au dos parfois parce que ça semble sévère, et c'est sévère, Seigneur, c'est toi, un feu dévorant,
Tu n'es pas juste le bon Dieu, comme certaines personnes disent autour de nous, mais la Bible dit que tu es aussi un feu dévorant, un Dieu juste, un Dieu qui corrige celui qu'il aime, comme un bon père son enfant, s'il l'aime. Seigneur, donne-nous de ne pas quitter cette salle en ayant une mauvaise opinion de toi, mais en étant rassuré, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que trop souvent, peut-être que nous-mêmes, on te voit comme le bon Dieu, puis on se fie plus à ta grâce, Seigneur, on se fie beaucoup à ton pardon, puis on se dit, c'est pas grave si on pêche, parce qu'on va avoir le pardon de toute façon. Garde-nous, Seigneur, de te prendre à la légère. Garde-nous, Seigneur, de négliger ce Saint-Esprit que tu as mis en nous. Parce qu'on voit dans l'histoire de Saül, c'est tellement triste, Seigneur, comment cet homme a commencé, il avait tout pour lui, et il a terminé tellement, tellement dans la misère, Seigneur. Merci pour Samuel, qui est un exemple extraordinaire dans cette histoire, qui a commencé sa consécration dès son jeune âge. Il n'a pas vécu de crise d'adolescence, Samuel. Il a continué à te servir à travers son adolescence. Il a continué à te servir en tant qu'adulte, indépendamment de ce que les gens étaient et faisaient autour de lui et disaient. Il a continué à être fidèle jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à la mort. Quel exemple pour nous d'une personne, Seigneur, qui a vraiment marché dans tes voies d'une façon extraordinaire, Seigneur, tout au long de sa vie. Et ça puisse nous servir d'exemple pour nous, Seigneur, qui voulons vivre pour toi jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce qu'on décède, on veut se consacrer à toi. Oui, Seigneur, donne-nous de tirer les bons exemples de ces livres de l'Ancien Testament remplis de richesses, car c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.